là on a 102 mailles, on monte 20 rangées en côte de 2-2. À la fin on arrête les 102 mailles et puis on fait juste, on plie le travail en deux pour faire la couture des deux côtés. Voilà. Là on aura terminé. Alors pour la suite, donc ce que je vais faire, je vais simplement défaire, j'enlève donc mes aiguilles et je recommence donc à zéro. Je vais défaire tout le travail. Voilà. On défait tout. Et je garde les deux mailles centrales. Alors ce que je vais faire, vous allez voir, c'est très simple. Donc avec mes deux mailles centrales qui restent, donc je vais relever au total 76 mailles. Au total je vais relever 76 mailles tout autour de mon travail. Donc, 76 mailles au total, donc ce qui veut dire que je vais relever, j'ai perdu mon aiguille, je vais relever 38 mailles de chaque côté comme on a fait avec la première. 76 mailles plus les deux mailles lisières, les deux mailles centrales, ça va nous donner 78 mailles. Donc on relève 76 mailles, 38 ici et 38 là. Donc on va relever 38 mailles ici et 38 de ce côté. Donc 37 mailles et 38. Je tourne donc mon travail. Alors, excusez-moi, sans tourner le travail, ce que je vais faire, j'ai relevé 38 mailles de ce côté, je vais augmenter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 et 28. Donc 28 mailles, 38 mailles, plus j'augmente 28 mailles. Je continue. Donc, je peux faire. Je tire simplement le travail, ce que je vais faire. Et je viens augmenter les 28 mailles de ce côté. D'accord, arrange bien. Je fais donc 38 mailles, excusez-moi, 2, 3, 4, et 5, et 6, et 7, 8, 9, 10. Donc je vais augmenter 38 mailles de ce côté. 37 mailles et 38 mailles. D'accord. Alors à partir de là, donc je vais travailler en rang. Simple. Voilà. Pour le moment, donc je vais faire faire, je prends un petit bout de fil que je glisse là pour séparer donc, et les mailles, 38 mailles de ce côté, 38 mailles de ce côté, plus les 2 mailles lisières et les 24 mailles que j'ai. Alors, avec des aiguilles circulaires, juste pour un début, ça va être parce que c'est pas le diamètre que je voulais. Bon, pas grave, on va faire avec. Mailles de ces côtés, je vais tricoter en côte des 2-2, deux mailles à l'endroit, deux mailles à l'envers, deux mailles à l'endroit, deux mailles à l'envers et 2 mailles à l'endroit. Donc je tricote d'abord les 38 mailles que j'ai en côte de 2-2 de ce côté. Alors donc là je termine les 38 mailles de ce côté. Bon, au commencement ça va être un peu compliqué pour 38 mailles, je prends un petit bout de laine couleur, je remets là, j'ai fait 2 mailles à l'endroit et je vais continuer sur les 28 mailles que j'ai augmenté et je vais faire le côte toujours de 2-2. Excusez-moi, on fait 2 mailles à l'envers, 2 mailles à l'endroit et 2 mailles à l'envers sur les côtes, non, sur les 28 mailles. Vingt-six, 27, 28 mailles. Donc j'ai terminé par 2 mailles à l'endroit, je mets un truc et je continue par 2 mailles à l'envers et 2 mailles à l'endroit sur les 38 mailles voilà. Donc à chaque fois comme sur des aiguilles circulaires, il se fait simplement d'étirer ceci et puis on continue. Donc 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers, toujours. On tricote sur les 38 mailles et on va se retrouver au début de notre travail ici. On fait 2 mailles à l'endroit et 2 mailles à l'envers. Je glisse donc toujours maille de séparation. Cette fois-ci, je fais donc la même chose. Il suffit de tirer les aiguilles pour ajuster les mailles parce que nous sommes sur un travail en rond. Simple, vous allez prendre n'importe quelle partie donc du travail. On va faire ressortir cette aiguille là. Ceci pour travailler. À chaque fois ça va être un peu la même chose. C'est vrai que c'est un peu compliqué au début, mais au fur et à mesure que le travail va avancer, vous allez voir, ça va devenir un peu plus simple. Alors donc là je vais faire une autre deuxième donc rangée en côte de 2-2. Donc on prend les mailles comme elles se présentent, 2 mailles à l'endroit, 2 mailles à l'envers. On va faire le tour, 2 mailles. Donc au total on va monter 8 à 10 rangées en côte de 2-2. Alors donc là j'ai monté au total, je vais une petite rectification, donc au total j'ai monté 22 rangées en côte de 2-2. Alors si on va continuer le travail, donc après avoir monté 22 rangées en côte de 2-2, on va diviser le travail en deux. Donc pour cela on prend les 28 mailles qu'on a augmenté au début, on les divise en deux, donc on aura 14 mailles de chaque côté. Donc les 14 mailles de chaque côté, je tourne mon travail comme ceci, 14 mailles donc de chaque côté. En fait vous avez 14 mailles ici, 14 mailles là, donc ça fait 28 mailles. Alors à partir de 28 mailles, au total on a 102 mailles, non 106 mailles comme j'avais dit au total. Et donc on va prendre donc 106 divisé par 2, ça va nous faire 53 mailles de chaque côté. Donc on prend 14 mailles, on compte à partir du 14e maille, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Donc les 2 mailles centrales donc de notre bonnet va nous servir de repérage. Donc 53 mailles ici, je prends un crochet, je vais juste mettre un petit bout de laine, à partir d'ici je peux couper celui-là pour l'enlever. Donc j'ai 53 mailles, donc là c'est le milieu, vous pouvez voir, 53 mailles de chaque côté. Alors on retourne le travail, on doit laisser les mailles pour le dos, les mailles pour chaque manche, et les mailles pour le devant. Donc là je vais prendre 14 mailles, la séparation, je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 mailles, 14, 15 et 16. Je prends crochet, je prends un petit bout de laine, excusez-moi, qu'est-ce que j'ai fait? Donc on fait 14 mailles, oui, excusez-moi, je replace petit marqueur ici, 14 mailles, et je fais donc 2 mailles qui vont me servir de séparation. Et je prends, et on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc, je vais répéter un peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18. 18 mailles et 19. Donc ça fait 19 mailles pour la manche. Côté manche, on place petit bout. De laine. 19 manches, on laisse 2 mailles de séparation. Comme ceci, 2 mailles. Alors, on va prendre les mailles côté dos, donc ça va nous laisser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Donc 16 mailles côté dos. Je reprends aussi ici 16 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 mailles. Je fais la même chose, petit bout de laine. Donc 16 mailles fois 2, ça va nous donner donc 32 mailles. Et ce qui me reste, je vais simplement enlever ici. Donc 32 mailles pour le dos. Ici aussi on place 2. Et aussi on fait, on laisse 2 mailles séparation. Donc comme pour l'autre manche, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 mailles. Alors voilà comment j'ai partagé donc mon travail. Donc, nous avons 2 mailles de séparation de chaque côté. Et donc le total pour le dos, bon, les vies, voilà. Alors lorsqu'on a terminé de faire donc les séparer les mailles, pour le dos nous avons 32 mailles, pour le devant nous avons 28. Donc pour faire pour avoir donc le même nombre pour le dos et pour le devant, on va simplement récupérer une maille de chaque côté. Hein? Simple. Coupe simplement celui. Donc on récupère une maille côté manche. Non, on fait ceci. Je récupère une maille. Je remets donc le petit bout de laine. Ça me fait 28, 29. J'enlève ce petit bout de laine de ce côté. Je récupère une maille pour en avoir 2 de ce côté. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18. Donc, pour avoir les 19 mailles côté manche, j'enlève celui-là. Je récupère une maille. Je pose petite laine de séparation. Ce côté, j'enlève celui-là. Et je récupère une maille pour côté dos. Et je vais refaire la même chose de l'autre côté aussi. Je reviens ici, donc je refais la même chose. Je récupère une maille, ce qui va me faire donc 30 mailles pour le dos et 30 mailles pour le devant. Et puis je récupère de chaque côté une maille pour avoir les deux mailles de séparation. Donc vous allez m'excuser si je parle à voix basse parce qu'il y a mon bébé qui dort à côté. Je ne vais pas la réveiller. Donc, on fait tout pour avoir 30 mailles pour le dos et 30 mailles pour le devant. Alors, nous avons 30 mailles pour le dos et 30 mailles pour le devant. Alors, ce que je vais faire, tout mon travail, comme je suis là, il suffit de travailler comme on a travaillé au début. On tire simplement l'aiguille. Donc, je récupère, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, je vais récupérer les 20 mailles pour les 30 mailles du dos. Cette fois-ci, je vais travailler. Je prends les 20 mailles. Alors, je récupère les mailles. Alors, pour ne pas tromper, deux mailles à l'endroit, et donc je vais faire le tour de mon travail. Pour on va se retrouver ici à la fin. On fait le tour à l'endroit, on va prendre toutes ces mailles et on se retrouve ici à la fin. Lorsqu'on termine donc de faire le tour, là, nous sommes sur le dos, donc les mailles du dos, je vais du côté. On se retrouve au début de la première rangée. Donc, si on voit le travail, simplement nous avons manche et le dos. Là, parce que c'est pas encore